Et oui, même jour, même joueur, pas tous rejouent. Pourquoi pas tous? Parce que pour la Tombola Charisma, on avait donc 300 et des brouettes de compétiteurs, 325. Et là, pour Rouge et Noir, il n'y a plus que 264. Pourquoi alors que c'est un lot de machines? Pour une raison très simple. Vaterra n'existe plus. On s'est donc retrouvé avec une voiture ici qui est endommagée, qu'on ne pouvait plus réparer. On a reçu ici une voiture dans un état quasi neuf, du même tonton qu'il y avait celle-ci. On l'a équipée d'un obi-wing 45 ampères en vario, d'un moteur Oak Day, donc c'est le rebadge du bon vieux moteur obi-wing. C'est pas un... c'est un moteur avec un tout petit rotor, mais des gros délais de refroidissement. Suffit large pour ce type de construction. Après, dans tout ce qui est engin plus lourd que 1,5 kg, j'éviterai ce genre de moteur. 4300 kb, fonctionnant 2 et 3S. Bon, 2S suffira large pour cette construction. Récepteur waterproof, radio Spectrum qui va et qui fonctionne. Gaffe, par contre, l'antenne n'est pas repliable. Tu ne feras pas le kéké à vouloir la plier. Donc 4 roues comme neuves sur celle-ci. Engin bien réglé, agréable à rouler. Diff avant arrière relativement détendu. Là, on avait durci un peu le diff avant. On a mis des autres amortos chinois qui ne fonctionnent pas à merveille, hein. Mais voilà, il suffira de remettre une autre huile à bord de ces amortos pour que ça aille mieux. Là, on avait mis de la 1000. C'était un peu trop ferme, donc je conseillerais de la 800 pour ceux qui veulent remettre celle-là en état. Et c'est là qu'on arrive au sujet intéressant, justement, précisément, c'est que Losi, comme c'est Horizon Hobby, qui avait Vaterra, donc qui a racheté Vaterra et qui a fait couler Vaterra, a ressorti ce véhicule à l'identique, juste avec une autre carreau, même une carreau qui existait déjà. On va, donc enfin celui qui gagnera ce lot, celui, celle ou ceux qui gagneront ce lot, pourra recommander, tout ce qu'il vous faut, c'est un bulkhead avant, c'est tout. Là où elle diff dedans, la pièce principale, je pense que ça coûtera peut-être une quinzaine d'euros, hein, selon ce que ça vaut sur ce type de machine dans cette taille-là. Et remettre celle-ci en état, puisqu'elle fonctionne parfaitement. Il y aura le combo charbon avec d'origine. Celle-là, elle est équipée en brushless comme des. Donc soit de prendre celle-là comme donneuse de pièces pour celle-là, soit rééquiper la deuxième pour en avoir deux. Il faudra reprendre aussi une radio avec. Non, on va pas pousser le bouchon, on va faire deux véhicules complètement équipés brushless, deux machins, acheter le bulkhead. Bon, voilà. L'eau sort comme ça. Tu le prends ou tu le prends pas, après c'est toi qui vois, puisque comme toujours, le gagnant du concours, s'il ne donne pas réponse dans la semaine, ou s'il n'est plus intéressé par le lot, on refera le concours pour quelqu'un d'autre. Il y a deux machines, donc celle-ci aussi, il y a les pneus, alors ils ont servi plus, mais ils sont encore ok. Il y a deux trains de pneus pour faire le kéké avec, donc une pour chaque. Et il y a deux trains de pneus complets Traxxas pour driftouiller. Hein, parce que c'est des pneus qui ont vraiment un grip misérable, donc ça ira bien pour drifter. Ça glisse pas autant que des vrais pneus de drift, ça permettra un peu d'être entre les deux. Il y a une lipo 2S 5000Z à bord qui est neuve, elle a juste servi pour les essais, et un chargeur qui connecte automatique 2 et 3S. Donc tu branches ton équilibreur, il se met en route, c'est rouge quand ça charge, c'est vert quand c'est fini, c'est tout, il n'y a rien à faire. Il nous sort, que je ne dis pas de bêtises, 900 mAh, donc il lui faudra en gros 5 heures, un peu plus, pour charger la batterie pleinement. Après, elle n'est jamais vraiment totalement vide, puisque la coupure est réglée à 3,4 ou 3,2 par là. De toute façon, tu ne chargeras jamais vraiment 5000 à fond dans ta lipo dans ce cas-là, normalement. On va faire comme pour la Charisma, il faut que je cherche mes mots pour plus que je me trompe. Je rappelle aussi, pour ceux qui ont raté la tombola de la Charisma, l'entête de ce jeu était rouge et noir. Il est très important, quand tu me mails, de mettre l'objet rouge et noir, puisque moi je coche tout ce qui est rouge et noir, ça va dans l'onglet rouge et noir. Arriver ensuite au jeu, puisque c'est un jeu gratuit, il fallait juste écrire que tu étais, enfin, juste m'envoyer l'objet rouge et noir et mettre ton nom dans le mail, pour que je puisse te trouver, parce que tous ceux qui ne me mettent pas l'objet, j'ouvre le mail, je regarde ce qui se passe. Comme je fais plusieurs choses à la fois, ça me fait des centaines de mails, beaucoup de temps perdu pour rien. Mettez pas non plus de messages dans ces mails parce que j'ai pas le temps de lire ces centaines de mails. Là, on a reçu 325 pour la première tombola, 250 pour celui-là. Ça fait 500 mails en 48 heures, ou enfin, on va dire en une semaine. 500 mails de plus que la centaine de mails que je reçois tous les jours déjà à gérer. Donc, quand je vous dis objet, mettez l'objet. Pour l'instant, j'ai laissé les gens valider qui avaient mis autre chose. Mais pour les prochaines tombolas, si on est tellement nombreux, je serai sans pitié. Soit tu as écrit l'objet correct que je t'ai demandé, les fautes, hein, les fautes, l'ensemble, on s'en fout. Hein. Tu écris comme tu veux, tant que phonétiquement ça correspond. Si je te demande rouge et noir, tu me fais quoi que ce soit qui ressemble phonétiquement à rouge et noir, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre un point rouge dans l'objet et un point noir, ça ira aussi. J'aurais compris, parce que c'est ça l'intelligence, c'est l'esprit logique et la compréhension en fait. Hein. Savoir écrire sans faute d'orthographe n'est pas une preuve d'intelligence, c'est la preuve que tu as bien appris. Ça, je m'en comme un petit mouton par cœur. Et le souci, c'est qu'on a remarqué, des gens qui maîtrisent parfaitement l'orthographe ont du mal à lire d'autres langages parce que si les lettres ne sont pas alignées exactement comme c'est, pour faire le mot qu'ils connaissent, eh ben ils sont perdus. Moi, j'arrive à lire plusieurs langues, il y a des langues même que je ne maîtrise pas. Quand les gens m'écrivent en espagnol ou en italien ou quoi que ce soit, tu t'y retrouves hein, quand même. Donc ne confondez pas orthographe et intelligence, s'il vous plaît. Alors, comme pour avant, nous allons aller sur le PC. On va zoomer, parce qu'on a vu que ça marche bien. Ça m'évite de tout démonter et de me faire une installation de fou là en bas. Générateur de nombres aléatoires préparé. Donc entre 1 et 264. La boîte mail est prête. On a bien 264 mails. Et on va essayer de ne pas se faire avoir comme avant. Enfin, c'est pas très grave, hein, ça restait du hasard. Pour le comptage à l'envers, il faut prendre en compte que la première page n'a pas 50 mails. C'est pas grave. Ça... Donc... Et ouais, vous êtes prêts, c'est vrai qu'on n'est pas en direct, ça sert à rien de vous demander si vous êtes prêts, je fais qu'est-ce que je veux. Là, je peux aller me boire un café, laisser tourner 20 minutes, vous allez attendre impatiemment que ça arrive. Alors, ah, bah là, ça va aller vite. Hein. Le gagnant est le numéro 235. Ah non, c'est l'inverse. Puisque, on avait dit sur le premier jeu que je partais, donc là, le premier qui m'a écrit, c'est... La première qui m'a écrit, c'est Malvina, qui m'avait écrit. Donc, elle, c'est numéro 1. Donc, si pour arriver au 235 sur 264, bon, là, ça va, comme il y a 264, va pas falloir trop réfléchir. Puisque nous allons tout simplement remonter, puisque là, c'est numéroté, c'est l'inverse. Hein. En fait, ça, c'est le numéro 264 dans la boîte mail. Nous allons donc remonter à la première page. On va quand même réfléchir 2 secondes. Bah non, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il suffit de faire 264 moins 235 et de remonter. Ça nous fait donc 29. On va donc redescendre de 29 participants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, Maxime c'était 19, le 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Et la gagnante est Carole Briard. Et Carole s'appelle Sébastien. On ne veut pas savoir, hein, on veut pas savoir. Vous faites ce que vous voulez de votre vie privée. Ah non, c'est comme beaucoup, en fait, soit il a utilisé le mail de maman, soit le mail de sa chérie, tout simplement. On ne sait pas si les filles font ça pour mieux contrôler ce que font les mecs, ou si les mecs sont juste trop fainéants pour se faire une boîte mail. En général, c'est ça. Je pense pas qu'il y a autant de femmes qui sont absolument suspicieuses. Donc, Carole, je vais t'écrire pour te dire que tu as gagné ces véhicules. Ensuite, tu pourras nous dire si Sébastien le mérite, si tu vas lui laisser la voiture ou pas. Ouais, si je dézoome, ça ira mieux. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si à l'autre vidéo, j'ai dézoomé. Donc, tu nous diras si Sébastien mérite ces véhicules ou non. Sinon, ben, on refera le jeu. Si oui, c'est à lui de nous dire ouais, je vais laisser à quelqu'un d'autre, ou ce qu'il va en faire. On est curieux, on a quand même envie de savoir ce que vous faites de ces véhicules qui sortent de l'atelier. N'oubliez pas que tout ce qui sort de cet atelier, tant que c'est en votre possession, ou si vous le signalez quand vous le filez à quelqu'un d'autre, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez le vendre, vous avez parfaitement le droit de le vendre et de prendre l'argent pour acheter autre chose, que ce soit de la RC ou non, ça vous regarde, évidemment. Donc si vous faites le véhicule à quelqu'un d'autre, donc comme dit, moi ça ne m'intéresse pas si vous l'avez vendu, si vous l'avez donné ou quoi que ce soit, si vous me le signalez, je pourrais aussi aider cette personne, quand elle aura récupéré le véhicule, si elle a un problème avec, pour l'aider à se dépanner, soit pour trouver les pièces, si on ne trouve pas de pièces, soit localiser la panne. Je rappelle, c'est quelque chose que je fais énormément. Vous ne le voyez pas sur la chaîne parce qu'on le fait par mail, justement. Mais parce que c'est beaucoup plus simple. Quand vous êtes en panne, vous me faites une vidéo de la panne. C'est plus simple que le descriptif. Dans la plupart des cas, où vous commencez une fois par me faire le descriptif, on fait la vidéo ensuite si j'en ai besoin. Ce qui me permet de vous aider à localiser la panne facilement. Par exemple, quand quelqu'un me dit... Voilà, j'ai acheté un véhicule, j'ai reçu un récepteur neuf avec le véhicule et la radio, mais je n'arrive pas à faire fonctionner le tout ensemble. Donc là, j'ai demandé, par exemple, c'est un exemple, un réel qui s'est passé, on a demandé la vidéo à la personne de me faire la manip. Enfin, d'ailleurs, il m'a décrit comment il fait le bind, la description du bind était correcte, donc j'ai demandé la vidéo quand même pour être sûr qu'il n'y a pas de souci d'appuyer sur le bouton ou que quoi que ce soit sont dans un autre mode que ce qui est censé être. Donc il m'a fait proprement la manip du bind. Il a fait ça comme il faut. C'était bien la bonne manip de Beans, mais on n'avait pas de lien entre le récepteur et l'émetteur. Donc soit dans ce moment-là, récepteur-émetteur n'était pas bindable ensemble, c'est-à-dire qu'on avait le mauvais récepteur avec le mauvais émetteur, ce qui est a priori le cas, puisque c'était un TQ et qui ne se modulait pas avec un TQI, tout simplement. Chez Traxxas, on a un tableau des choses qui sont compatibles, ils ne sont pas tous compatibles, et on a constaté dans plusieurs cas, même si on avait des vieux récepteurs, surtout sur les vieux récepteurs TQ, qui ne se bindent absolument pas avec le TQI quand même, donc il faut prendre un autre récepteur pour que ça marche. Ça peut être aussi évidemment une défaillance de la radio ou du récepteur, n'empêche qu'avec un autre récepteur, ça a fonctionné, donc c'était bien le récepteur. Pensez, si vous êtes vendeur de matériel comme ça, si vous savez que votre truc est neuf, bindez-le vite vous-même. Faites-le, puisque vous savez comment ça marche, c'est votre véhicule. Faites-le vite, testez-le, installez-le, faites-le neutre de la direction, faites-le neutre et des gaz. Comme ça, vous êtes sûr. Ça fonctionne chez vous, vous l'envoyez, donc l'acheteur sait que ça fonctionne. Faites vite un essai, filmez-lui les essais, comme ça, il sait que ça fonctionne, et s'il y a un bug, on peut revenir dessus. Parce que dans ce genre de cas, là, c'est embêtant, évidemment. Acheteurs et vendeurs, après, ils se prennent un peu les cheveux, parce qu'il y en a un qui dit ouais mais attends, je t'ai envoyé le truc, ça fonctionne, l'autre dit non ça marche pas, ensuite il y a Mani qui se retrouve au milieu, et ensuite tu vois, si les gens sont pas cool, et ben ça peut mal finir. Bon là tout le monde était cool, donc évidemment ça c'est bien fini comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme dans la plupart des cas, mais comme dit, c'est pas toujours comme ça. Il y a des gens, ils deviennent vénéneux après, c'est pas possible de leur faire entendre raison. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai raison à tous les coups, hein, mais si c'est le cas, tu me mails, tu me dis « Attends, tu as dit ça et ça, c'est pas vrai. » On analyse la situation, si j'ai fait boulette, il y a excuse, et voilà. Mais si tu ne me le dis pas, je ne peux pas l'arriver. Hein? Ça en concerne 2 ou 3. Je ne suis pas inquiet, ça viendra avec le temps, à un moment ou à un autre, on arrivera à discuter. Voilà, donc Seb, dis-nous ce que tu comptes faire de tes caisses. Moi, franchement, je te le conseille. Va voir sur la page Losi le nom du nouveau modèle. Regarde voir les pièces et essaie de te choper le bulkhead avant. Répare cette machine. Enfin, prends pas que le bulkhead. Hein. Attends d'avoir récupéré les machines et contrôle si c'est bien uniquement ça qu'il te faut. Mais normalement, oui. Parce que le triangle, tu peux le récupérer. C'est vraiment juste le bas du bulkhead qui a pété. Tu auras toutes les pièces avec, support moteur et tout ce qu'il faut. Donc, tu peux faire une deuxième machine complète. Si vous avez des petites machines comme ça d'ailleurs, à charbon, et vous voulez les passer en brushless, donc n'exagérez pas sur les capacités du brushless que vous allez mettre dedans, et il existe vraiment des petits combos chinois entre 25 et 35 euros livrés. Prenez-les toujours avec la carte de programmation qui va avec. Certains ils se disent « Ouais, alors 25 euros sans la carte, 32 avec, je prends pas la carte, il n'y a pas besoin. » Si, prenez la carte parce qu'elle va vous permettre, selon les radios, et vous en avez besoin pour étaler la plage de neutre, pour augmenter la plage de neutre, rarement pour la rétrécir, parce que si la radio est assez précise, ça marche du premier coup, mais si ton neutre n'est pas assez précis, sur certaines radios, il est nécessaire absolument d'élargir la plage de neutre, quand c'est possible, sur la programmation. Le cut-off, souvent, doit être réglé comme il faut. Marche avant et frein ou pas frein, puissance de freinage, tout ça. prenez les cartes avec. Franchement, c'est pas perdu. Et ces petits combos à 32 €, bah forcément, c'est pas... Même si c'est écrit étanche, c'est pas le genre d'engin que j'irais spécialement rouler dans la flotte. Surtout si c'est un petit budget, tu as ton engin charbon, que tu as pu avoir au cas ou pas trop cher, à 100, 150, 200 €, tu colles ton petit combo brochesse à 35 €, tu es parti avec une puissance raisonnable. Des petits engins comme ça en charbon sont équipés de quoi, 21 tours, 17 tours si tout va bien, parce qu'après le charbon trop, force trop, alors tu peux mettre plus costaud en charbon évidemment, mais il faut mettre le variateur qui va avec. Et la batterie va chauffer, le moteur va chauffer, tu vas aller plus vite, tu peux atteindre les 60-70 avec des engins comme ça charbon, mais ça va tirer du jus à mort, alors que le petit combo brochesse, tu prends un 3000 ou 4000 kV par là, là tu peux mettre des 4000 kV sans problème là-dedans. Tu laisses le pignon d'origine qu'il y avait avec le moteur charbon, et tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas faire un petit 60, doigt dans le nez, tranquillou. Après ça dépend des engins, ça dépend des démultiplications, tu te renseignes un peu à droite, à gauche, il n'y a pas de souci, tu nous envoies un mail pour voir si tu as pris le bon, parce qu'il y a des combos, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important aussi à tous, je vous le dis toujours, faites-nous des retours d'expérience. Alors, vous pouvez profiter des vidéos, de ces vidéos-là, puisque les gens vont voir ça, vont voir ces machines sur l'entête de la vidéo, ils vont cliquer dessus parce qu'ils vont voir, tiens, c'est du indice piste, qu'est-ce qui se raconte dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à écrire en dessous quel type de combo vous avez utilisé, mettez le lien avec, signalez-moi qu'il y a un lien, comme ça je validerai le lien, parce que vous allez tomber dans les spams si vous mettez un lien. Donc vous me le signalez, on check vite si c'est le bon lien, des combos qui sont à éviter absolument parce qu'ils ont cramé, et les combos qui marchent bien. Moi je fais pas beaucoup de indices, donc j'expérimente quelques combos, hein, donc je sais lesquels sont viables ou pas. Après, il faut aussi voir, comme dit, c'est là que c'est intéressant de partage d'expérience. Vous avez vu avec les petits variateurs bleus qui ont 18 fonctions, qui coûtent 17 €. Ces petits variateurs-là, vous avez vu que beaucoup ont fait des retours d'expérience de varios qui ont cramé. Et une fois qu'on les avait ici, qu'on a pris la carte de prog, qu'on s'est penché sur la programmation, qu'on a mis ces varios en route, je dois être à une quarantaine de ces varios montés sur des véhicules pour des petits hauts. Zéro problème. En 2S principalement, avec des moteurs 3 à 4000 kV. On a aussi mis sur du 3S avec des moteurs à plus de kV. Patapouf et RC by J, donc Jérôme, ont testé ça avec un moteur 40-74 pour voir. Ils ont mis un 40-74 2000 kV, ils ont mis du 4S. Ça a chauffé, mais ça n'a pas cramé parce qu'il est donné en 4S ce petit bébé. Préférer ça sur des moteurs pas gourmands, mais là dans des petits indices comme ça, franchement ça fait le taf. Ils sont pas violents parce qu'on peut vraiment les régler de façon à ce que ce soit justement que la patate arrive pas trop vite, que ce soit pas trop brutal, parce que genre, les engins pistes, c'est pas des engins qu'on utilise dans des proportions jamais brutales, parce que tu veux garder le contrôle de ta motricité sortie de virage. C'est spécialement, comme dit, ces variateurs vont super bien sur des engins courroies, parce qu'ils sont faits justement pour pas claquer les courroies, mettre un coup dedans. Même au freinage, hein, ils sont beaucoup plus doux à axer le freinage que les varios standards. Sur les autres, tu peux le faire aussi, hein, suffit d'avoir une radio, tu peux régler l'expo par exemple. Mais dans tout autre cas, ça va vraiment bien. Après, ouais, faut tomber, comme dit. C'est pour ça que je tiens à ce partage d'expérience sur la chaîne. Je remercie une fois de plus, et c'est pas la dernière, vous allez le voir, je sais pas si on a une centaine de fois déjà, mais franchement, j'ai une pièce pleine à côté de matériel pour vous laisser en tombola et en jeu. On a de tout, on a du indice piste, on a du indice tout terrain, on a du indice un peu plus gros, enfin des trucs un peu SC et compagnie, on a du 1/8e. On a plein de choses que je vais vous sortir en tombola. J'aimerais que tout ça soit torché pour 2021, jusqu'à fin 2021, j'aimerais. C'est pour ça que je ne fais plus rien. Donc si vous avez des révisions et ce genre de choses, ce n'est pas moi qu'il faut contacter. C'est Micro RC Garage, enfin Micro RC 08, Jonathan Girard, RC Patapouf. Si d'autres font des révisions, signalez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas, comme dit, signalez-vous d'abord avant de me laisser un lien, pour pas que vous disparaissiez dans les trucs. Si vous faites des révisions, on me dit, l'avantage d'avoir une chaîne ou de le faire en vidéo est indéniable, parce que vous recevez le matériel, vous ouvrez le matériel publiquement. Donc le gars qui vous envoie le matos voit bien que tout est bien arrivé entier, Vous pouvez aussi prouver si quelque chose a été cassé dans le colis, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Vous démontez la machine en vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire public, mais au moins que ce soit privé pour l'utilisateur qui voit vraiment l'intérieur de son véhicule, comment ça se démonte, comment ça se remonte. Vous pouvez lui montrer ce que vous avez trouvé. Il a la preuve que ça ou ça et ça est cassé et dégradé, qu'il faut le remplacer. Ensuite, c'est à chacun de faire son système pour se mettre d'accord comment ça fonctionne avec les pièces. Soit c'est le propriétaire du véhicule qui vous envoie les pièces pour les monter, soit c'est l'autre qui les procure. Ça, c'est vos oignons après, chacun gère à sa sauce. C'est évident que faut se mettre à la place de la personne qui donne le contrat à quelqu'un d'autre. C'est que tout le monde ne peut pas avancer les frais de toutes les pièces à gogo pour les gens. T'imagines, tu as 10, 15, 20 véhicules ici à réviser. Et tu achètes des pièces pour 20, 30, 40 véhicules, parce qu'il y a encore des annexes qui arrivent et les machins, les autres. Ensuite, il faut que la personne concernée paye tout ce qui a été fait pour lui renvoyer le véhicule. Donc les gens récupèrent l'argent à ce moment-là, mais si tu as 20, 30 véhicules à avancer l'argent, c'est pas possible pour tout le monde. Surtout que la plupart d'entre nous, dans ce cas-là, maintenant, avec ces histoires de chaînes qui font des révisions, comme Greg le Belge aussi, il fait aussi des révisions, contactez-le si vous êtes de Belgique. Je failli t'oublier, Greg, excuse-moi. C'est que c'est pour aider. Après, ne soyez pas radin avec ces gens-là qui vous font les révisions, parce qu'ils vous font quand même le boulot. Hein, donc pensez-y. Pour boire, c'est une culture qui se perd, hein, mais il ne faut pas la perdre. C'est en donnant un pourboire à quelqu'un qu'on lui signale que voilà, on est content de ton travail. Si tu laisses pas de pourboire à quelqu'un, il y en a qui vont le prendre mal, ils vont se dire ouais, voilà, il trouve que j'ai fait du boulot de merde. Il y en a qui vont être pas contents avec toi pour dire ouais, l'espèce de radin que c'est. Et il y a celui qui n'a pas donné de pourboire, qui n'est pas au courant en fait, qui se rend pas compte que en fait rien donner c'est radin. Parce qu'il ne l'a pas appris, on ne peut pas lui en vouloir. Donc communiquez les gars, communiquez, arrangez-vous entre vous. Et n'hésitez pas, c'est pour ça que moi je fais les vidéos publiques, comme ça, quoi qu'il arrive. Si tu n'es pas content avec ce que j'ai fait, tu peux venir sur la vidéo publique et me dire, écoute, voilà, moi j'ai vu ça et ça, t'as oublié une vis, t'as oublié ça. Je suis là, j'assume quand j'ai fait une connerie. Et je vous invite tous à le faire, c'est tellement plus simple. Parce que déjà, ça détend aussi, ça détend de tous les côtés. Hein. Parce que d'un côté, il y en a un qui sait, qui peut te parler, qui peut te dire, écoute, moi j'ai vu ça. De toute façon, après, tu as toutes les vidéos, les photos, les images, ça aide un peu. Après, généralement, le plus simple, c'est toujours de se retrouver un peu le milieu. Hein. C'est qu'il y en a un qui fait un pas, l'autre, il fait un pas aussi. Et généralement, tout va bien. Bon, généralement, il y a toujours des cas où ça coincera toujours. C'est comme ça. Tu peux même tomber sur quelqu'un que tu connais, tu sais qu'il est sympa. Tu connais une personne, tu sais qu'elle est super sympa, mais les deux ensemble ne s'entendront jamais. Et pourquoi tu ne sauras jamais non plus. C'est comme ça, hein, c'est biochimique, il y a des trucs qui passent, il y a des trucs qui passeront jamais. Félicitations à Sébastien, merci à Carole d'avoir prêté son mail à Sébastien pour jouer. Peut-être à lui a fait la surprise, il n'est pas au courant en fait. Hein. On verra ça quand j'aurai écrit. Tu nous dis si tu as besoin du chargeur ou pas, tu nous dis si tu as besoin de la lipo ou pas, tu nous dis si tu as besoin de la radio ou pas. Voilà, comme d'hab. On voit ça ensemble et nous on va passer au jeu suivant. Alors là j'ai fait les essais donc de la Phaser. La Phaser mérite plus de KV et on avait essayé la Maverick. La Maverick a trop de KV donc on va avant d'attaquer ces tombeaux là je pense que je vais inverser l'électronique et sûrement retourner rouler avec pour voir comment ça se passe. Ça aussi avec des pneumatiques plus adaptées qu'on ait une meilleure image de la chose. Et entre temps ne vous en faites pas. J'ai encore... tas de choses en stock pour tomboler. Salut.